Hop. Ok, on la refait. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Est-ce que c'est pas mieux? Ça me semble être mieux. Merci Broméga pour m'avoir prévenu. J'espère que tu vas bien. Si c'est mieux, tant mieux. On est parti? On est parti pour cette petite... cette petite matinale cyber. On a plein de choses sur la planche. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous rayez par cette jolie matinée froide et nocturne de novembre où nous fêtons la Sainte Camille, d'après mes informations. Bienvenue Vroméga d'ailleurs sur le chat Twitch, je vois que c'est la première fois que tu postes ici. Bienvenue, même si on échange régulièrement sur Twitter. Aujourd'hui, on a plein de choses à voir. Ça va être une grande matinale avec un petit focus tech à la fin qui devrait nous occuper un petit peu. Voilà, je vais vous mettre. Hop, let's go. C'est parti, vous avez tout à l'écran. Bienvenue à tous. Et puis sans attendre, on va. Alors, je suis désolé, j'ai commencé un peu tard parce qu'en fait, j'avais un peu tardé à mettre le live sur YouTube. Et donc, le temps que tout le monde se réveille sur YouTube, évidemment. Je suis parti, j'ai commencé un petit peu après. Let's go. Les titres de cette semaine. D'abord, on va voir tous les titres. Et puis après, on les détaillera un petit peu plus. D'abord, les attaques de la semaine. On va parler d'Adeco qui a été piraté, avec notamment des intérimaires qui ont été prélevés de 50 euros chacun. Ce qui fait beaucoup quand on voit le nombre d'intérimaires touchés. On va parler aussi d'une vague d'attaques DDoS, donc déni de service distribué, sur les sites qui ont servi au vote aux US pour les élections des midterms. Enfin, et c'est un peu, mais en même temps c'est un petit peu de la CTI, on va parler rapidement de Vorok, ou Vorok, un nouvel APT qui a été identifié par plusieurs entreprises de CTI, et donc notamment, on va regarder un peu l'article de i7. Hop, pardon, je suis trompé. Surtout ce qui est annonce, on va parler de l'Australie, qui a annoncé qu'elle s'en allait en cyberguerre. Je ne sais pas si sa queue fait lever la poussière. Logbit, un de ses membres qui a été arrêté au Canada cette semaine également. On va en parler. On va parler aussi d'une nouvelle fonctionnalité comment dire alors, c'est pas vraiment Responsible Disclosure. C'est plutôt de disclosure de vulnérabilité. C'est-à-dire, si vous êtes chercheur en cybersécurité, vous pouvez partager à l'organisme qui gère ou aux développeurs d'un outil, vous pouvez maintenant le partager directement dans GitHub s'ils ont une vulnérabilité. Ce qui devrait accélérer le processus. On va parler aussi de quelque chose qui a été annoncé par la France, qui considère dans sa doctrine que la dissuasion cyber ne marche pas. Ce qui est assez intéressant, et on va voir pourquoi et qu'est-ce que ça change, le fait que la France ait dit ça. On va parler aussi de AirDrop qui est limité en Chine parce que c'était utilisé par des gens pour partager des articles de contestation, des caricatures ou ce genre de choses qui ne sont pas forcément du goût du gouvernement. Donc Apple, on le sait, hein, accepte les conditions du gouvernement chinois et donc accepte de collaborer avec ce gouvernement pour réduire la liberté d'expression. Ce qui n'est pas très cool. Dans les vulnérabilités, on va parler de trois vulnérabilités en particulier. Il n'y a pas de grosses vulnérabilités comme il y a deux semaines. On va parler du verrouillage sur le Pixel qui peut être contourné. Le téléphone Pixel, hein, vous savez, c'est les téléphones de Google. On va parler de Proxy Nutshell qui apparemment serait patché par Microsoft. Dans le dernier Patch Tuesday, donc le Patch Tuesday c'est tous les premiers mardis du mois. Autrement dit, c'était la semaine dernière. Enfin, on va parler, si on a le temps, on va lire l'article parce que je pense qu'il est assez marrant. Plesk, qui est une solution de gestion de sites web, de tableaux d'administration,
eh bien, il y a une vulnérabilité qui permet d'accéder à plein de choses et qui passe par quatre vulnérabilités CSRF. Et les CSRF, c'est quand même assez rare. Et là, on va voir qu'en fait, ce qui est étonnant, c'est que d'habitude, les CSRF, ça se passe vraiment dans l'interface web. Donc, c'est pas les API, quoi. C'est vraiment la navigation avec un navigateur, etc. Et là, justement, ça touche les API et on va voir comment. Donc, ça va être un petit peu plus technique, mais on va y aller tranquillement. Pas d'angoisse. Enfin, sur les data leaks, on va reparler, on va parler, parce qu'on n'en avait pas parlé, de Medibank, qui est j'ai envie de dire, un organisme de santé australien, en fait, qui s'est pris un ransomware et dont les données ont fuité, notamment des choses très sensibles, notamment il y a un dossier avortement, donc des choses comme ça voilà, qui ont fuité sur l'internet australien, sur l'internet mondial, ce qui est évidemment très impactant. C'est toujours impactant quand c'est des données de santé, c'est toujours impactant quand c'est des données financières. Si je devais en juger juste avec le nom de Medibank, a priori là c'est les deux. Donc évidemment ça pue un peu pour les Australiens. Donc c'est très 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 impactant. Et on va parler aussi de Yandex Food qui avait eu une fuite de données. Et Yandex qui est le Google russe. Et là les victimes ont eu gain de cause. Voilà. Salut Lucille. J'espère que tu vas bien et que ton week-end, que ta journée hier, ta soirée était de qualité. C'est parti? Ça vous va comme programme? Et en focus à la fin, je vous propose de parler un petit peu de la cyberarmée. Soit on verra, on n'aura peut-être pas le temps de faire les deux. À vous de me dire ce que vous préférez faire entre soit on parle de la cyberarmée ukrainienne. Donc avec un angle plutôt CTI, c'est-à-dire renseignement sur les groupes de hackers. Soit on peut parler d'une technique qui est utilisée par un groupe de hackers qui s'appelle APT29, qui est le credential roaming. Et là, on parle un peu plus des entrailles de Windows et de techniques. Voilà. Donc à vous de me dire ce que vous préférez, ce dont vous préférez parler. Voilà. Je prends un peu de thé parce que c'est le café, c'est le matin pour moi aussi, hein. Et on est parti. Alors, on va commencer par parler de Adecco. Les voilà. À chaque fois, pour ceux qui sont nouveaux, pardon, j'émerge aussi. Hein. Pour ceux qui sont un peu nouveaux aux EF des Ukrainiens. Ok, ça marche. Pour ceux qui sont nouveaux sur la matinale, à chaque fois on essaie de trouver des articles pour sourcer un minimum nos dires. Mais le but c'est pas de les lire, le but ça va être vraiment de vous les partager et de les survoler. Et donc dites-moi si parfois vous voulez parler un peu plus en profondeur de certains articles. Et si vous voulez, par exemple, si vous voulez aussi, il y avait une question la semaine dernière. Est-ce que je traduis ou pas les articles qui sont en anglais? Est-ce que je les lis en anglais ou est-ce que je les lis en français? Sachant que quand je les traduis à la volée, évidemment, c'est peut-être un peu moins précis et vous avez des E, des A. Après, si je les lis en anglais, vous avez effectivement mon superbe accent anglais qui est évidemment limité. Pour celui-là, pas de souci parce que c'est un article de La Voix du Nord qui nous dit que le groupe Adecco est victime d'un piratage de ses données. De nombreux intérimaires, y compris du Nord et du Pas-de-Calais, pardon, ont été ponctionnés d'une cinquantaine d'euros sur compte bancaire. Eh oui. Êtes-vous au courant du piratage chez Adecco? Beaucoup d'intérimaires, dont ma fille qui a travaillé pour l'agence, ont eu un prélèvement de 49,85 euros au nom de Solfex. Demande Sylvie. Fabrice, lui, nous dit: j'ai fait opposition auprès de ma banque, puis j'ai contacté l'agence de Kuderk Branch, dont je dépends, qui m'a informé qu'une enquête était en cours. Et oui, parce que Adecco dispose des RIB de tous ses intérimaires, de nos permis de conduire, de nos cartes d'identité, tout cela est très inquiétant. Et donc, depuis le 8 novembre, beaucoup d'intérimaires
ont vu un ou plusieurs prélèvements sur leur compte bancaire de près de 50 euros. Adecco confirme qu'elle a été victime d'un piratage de ses données informatiques. Donc Adecco, c'est une entreprise qui fait de l'intérim. Donc des petits jobs de remplacement dans l'idée. Sans faire d'annonce publique. Pour le moment, une cellule de crise a été activée au sein du groupe, qui est un des poids lourds du recrutement en intérim. Voilà. 138 500 intérimaires en mission. Ce sont les syndicats qui ont communiqué, qui ont invité les victimes à réagir rapidement en faisant opposition et à se manifester auprès de l'organisme de rattachement. Alors, petit insight, lorsque vous avez une fuite de données comme ça, il faut réagir très rapidement. C'est une bonne démarche de communiquer très rapidement. Là, les syndicats qui invitent à se manifester auprès de l'agence de rattachement, c'est un peu risqué. Pourquoi ? Parce que en fait, vous allez avoir tous les gens touchés, et potentiellement ça va faire quelques milliers de personnes, qui vont contacter l'agence, l'agence qui est déjà victime d'une cyberattaque, donc potentiellement elle a des choses qui marchent moins bien que d'habitude, potentiellement elle n'est pas équipée pour répondre à toutes ces sollicitations. Donc c'est bien, effectivement, mais c'est mieux quand ça vient, quand c'est une démarche vraiment organisée par la cellule de crise, qui va venir demander aux gens, qui va venir peut-être mettre en place un site web qui dit bon bah mettez ici votre nom, votre numéro d'adhérent, votre nom, prénom, numéro d'adhérent, ou comment on vous recontacte, et puis c'est tout. Et en fait, là, c'est très bien. Moi, je suis toujours en faveur de la transparence. Je pense que c'est bien de la part de ces deux syndicats d'avoir communiqué un minimum, parce que Adecco aurait dû communiquer. Maintenant. Inviter les victimes à faire quelque chose sans que ce soit forcément, sans que ça émane de l'agence principale, à mon avis, c'est un petit peu osé, un petit peu tendu. Pour l'heure, l'ampleur de la fraude n'est pas connue. Plusieurs centaines de victimes ont d'ores et déjà été recensées et leur rang ne cesse de grossir sur Internet. Les intérimaires ponctionnés s'organisent et ont fait un groupe Facebook. Donc voilà, si vous, plus de 800 personnes. Si vous êtes chez Adecco, vous avez fait des missions pour Adecco, eh bien, n'hésitez pas à vérifier vos relevés bancaires. Ils n'ont pas une obligation d'avertir que leurs données ont fuité. Alors, ils ont une obligation d'avertir la CNIL, pas les victimes. C'est toujours une bonne démarche d'avertir les victimes, mais dans la pratique, ils sont obligés d'avertir, c'est uniquement la CNIL que tu dois avertir sous 24 heures. Alors, évidemment, la CNIL est compréhensive. Si tu avertis ces 24 heures à partir du moment où tu remarques que tu as des fuites de données. Après, la CNIL peut aussi te dire, vu l'ampleur de la fuite de données et vu à quel point ces données sont sensibles, eh bien tu as obligation. Peut-être que la CNIL, effectivement, peut te dire maintenant, tu communiques, effectivement. Et je pense que je me trompe peut-être, mais effectivement, peut-être qu'il y a des données particulières sur lesquelles tu es obligé de communiquer, notamment les données de santé, je pense. Mais je n'ai absolument pas de source à te communiquer, donc prends tout ça avec un grain de sel. Mais donc normalement, strictement parlé, c'est juste la CNIL que tu as l'obligation de prévenir. Tout le reste, c'est mieux, c'est un plus, c'est facultatif. Voilà pour cette petite actualité. Des attaques DDoS sur des sites de vote US. Bah, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Je crois que j'ai pas préparé d'article. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas mis ici dans ma liste d'articles dont qu'on va lire. Parce qu'il n'y a rien à dire en fait sur les attaques DDoS. Ça fait toujours parler les journaux, mais ça fait toujours rien. Voilà. Donc les attaques DDoS, qu'est-ce que c'est ? C'est une attaque qui vise à bloquer un site web. Le premier D de DDoS, c'est parce que ce sont des attaques distribuées. Autrement dit, tu as plein de sites web qui travaillent ensemble pour envoyer beaucoup beaucoup de requêtes, ce qui va submerger le site cible. Et comme d'habitude avec ce genre d'attaque, c'est très simple à faire, ça a un impact très limité,
mais ça fait, et ça fait toujours parler de toi dans les journaux, mais il n'y a pas grand chose à dire, quoi. Voilà. Si ce n'est que ces attaques sont attribuées à la Russie. Ouais. Si ça vous intéresse, je peux retrouver l'article, mais de mon point de vue, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà. Hop, il est là. On pourra en reparler. Hop, le secrétariat d'État du Mississippi, victime d'une attaque cyber, le jour des élections des midterms. Et elles sont attribuées à la Russie. Voilà. Voilà, on le lit en diagonale, il n'y a rien de plus. Voilà, c'est ici qu'on attribue. Voilà, et le gouvernement dit, on sait que c'est probablement lié à un groupe de hackers russes qui l'a revendiqué, mais on est un peu plus précautionneux avant d'attribuer à un pays en particulier. Voilà. Ce qui est toujours bien, parce que c'est toujours très délicat d'attribuer. Ouais, vous savez que typiquement, il y avait un piratage d'une télé française par des hackers de l'État islamique. Et en fait, après des années d'enquête, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était des hackers russes, et qu'ils avaient juste mis les revendications de l'État islamique pour détourner l'attention. Ok, c'est parti, on passe à la suite. Où suis-je ? Warrock, on va parler de Warrock. Warrock. C'est pas là. Laissez-moi le retrouver rapidement. Ça, c'est sur le Qatar. Ah oui, c'est sur le Qatar, faut qu'on en parle. J'ai oublié de le mettre dans la description. Ouais, tout ça, on va en parler. Ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Attendez un instant. Laissez-moi retrouver un instant le lien de l'article sur Warrock, qui ne doit pas être très loin. Voilà, hop. 1 et 2. C'est parti. Voilà l'article. Ah, mais si. Il est là. Je l'avais. Voilà l'article de l'I7 qui date du 6 septembre, qui parle d'un nouveau groupe de cyberespionnage en Asie qui s'intéresse à l'Asie du Sud-Est. Et ce groupe utilise des outils originaux de stéganographie. Donc la stéganographie, qu'est-ce que c'est ? C'est la matière préférée des jeunes hackers en herbe qui s'essayent au CTF. C'est une manière de cacher des informations dans du contenu, de les cacher de manière générale. Typiquement, on peut les cacher dans des images. Vous savez, c'est l'histoire de ce grec qui avait écrit tatoué un message sur le crâne d'un esclave et qui avait attendu que les cheveux de l'esclave repoussent pour envoyer cet esclave quelque part ailleurs, et comme ça, son message n'allait pas être trouvé. Une autre époque, hein. Mais donc, l'article dont je voulais vous parler, il est là. On va le lire, on va le mettre en format pour le lire. C'est un article de Avast, donc qui confirme ce qu'ont dit leurs confrères de I7. Et ils confirment, et si ça vous intéresse, on va détailler un petit peu plus comment ce truc-là fonctionne, parce que c'est assez intéressant comment ils ont fonctionné avec cet usage de la stéganographie. Donc, d'abord, quelque chose de très agréable de la part de Avast, c'est qu'ils ont réutilisé le nom donné par I7. D'habitude, les boîtes de cybersécurité donnent tout un nom différent au groupe d'attaquants, ce qui n'est pas très agréable. Là, au moins, tout le monde s'arrange pour dire « Ok, on va l'appeler Warrock ». «
Voilà, alors il rappelle ce que dit ce qu'on dit I7. Je traduis du coup, hein, je traduis pour le lire en diagonale. Les chercheurs de I7 ont décrit deux chaînes d'exécution, mais ils n'ont pas réussi à remonter au patient zéro, à savoir comment le premier ordinateur a été compromis. Et ils savent pas exactement quel est le payload final, c'est-à-dire la charge malveillante délivrée in fine par tout ça. Voici une analyse qui vise à compléter ça. On a regardé des articles PNG et on a regardé justement ce payload final, cette charge finale malveillante, et ce qu'on voit, c'est que c'est du vol de données. Ce qui est intéressant, c'est de la collection de données des machines infectées en utilisant un dossier Dropbox. Et en même temps, les attaquants utilisent l'API Dropbox pour eux, leur communication, pour que leur communication passe, soit non détectée. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il faut toujours trouver un moyen un peu sioux de communiquer le final stage, c'est-à-dire sur la charge. Souvent, vous mettez un logiciel malveillant, ce qu'il fait, c'est qu'il charge un nouveau logiciel malveillant. Et ce nouveau logiciel malveillant, il charge un nouveau logiciel malveillant. Et à chaque fois, c'est de plus en plus sophistiqué. Et le but, c'est que. Si au début vous cramez votre technique, c'est pas grave parce que c'est une technique de base. Mais plus on avance, plus ces trucs discrets et qui ont vocation à rester longtemps et donc à être pas détectés. On essaye de rester cohérent avec ce qu'a dit I7, ce qui est super agréable, hein. Donc il rajoute des petites informations. Ce qu'il dit, c'est que l'ordinateur est compromis. Il y a un logiciel qui installe un logiciel qui s'appelle CRL Loader. Donc tout ça utilise des bibliothèques de code partagé Windows qu'on appelle des DLL. Ça charge une autre DLL malveillante qui est donc un PNG Loader. Et ce PNG Loader, ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher des PNG, des images. Et dans ces images, en fait, il y a des scripts qui sont cachés. Donc ça, c'est l'image que vous voyez là. Si j'arrête le mode lecture, on devrait la voir un peu plus grande. Voilà, elle est là. On va zoomer. Nion. Voilà. Voilà l'image. La compromission initiale, je passe tout ça parce que ce qui m'intéresse, c'est surtout la partie avec les images de chatons là. Le deuxième étage, pardon, est chargé par CRL Loader. Donc, ils n'ont pas vu de code qui déploie PNG Loader, mais on imagine que c'est de la même manière que décrit plus haut. PNG Loader, en gros, ça sort des messages cachés dans des fichiers PNG. Ça les reconstruit et ça en fait des exécutables qu'ils lancent. Voilà. Et là, vous voyez une méthode, quelque chose qui ressemble à du .NET. Ça, c'est quand on décode donc le fichier malveillant PNG Loader. Et donc, ça utilise de la stéganographie. Allez, on passe encore 2 minutes sur la stéganographie parce que c'est toujours marrant. C'est un truc qu'on voit jamais dans la vraie vie. Alors, pour une fois qu'il y en a, on regarde un tout petit peu. La stéganographie ici, s'utilise une technique très courante qui s'appelle la technique du bit le moins significatif. Je sais pas comment tu traduis ça, c'est un terme en fait d'informatique, le least significant bit. Et donc, qu'est-ce que c'est cette technique? On va utiliser leur graphique. Leur graphique est pas hyper bien, je trouve. Je trouve qu'il n'est pas incroyable. Ok, dans l'idée. On va essayer de s'éloigner un peu de ce graphique, parce que de ma compréhension, de la méthode du. Après, ils ont peut-être, c'est peut-être une variante.
Ah oui, voilà, c'est une variante. Ok. Alors, la méthode classique, qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai bugué? La méthode classique, qu'est-ce que c'est? C'est que vous avez des pixels ici. En fait, les pixels, c'est toujours 3 ou 4 valeurs. C'est un ensemble de 3 ou 4 valeurs. Si c'est 3, en fait, ça va être la quantité de rouge, la quantité de vert, la quantité de bleu. Et ces trois valeurs, elles sont chacune encodées sur un octet. C'est un chiffre entre 0 et 255. C'est pour ça que quand vous donnez une couleur, bah souvent vous donnez un code RGB, c'est-à-dire combien je mets de rouge, combien je mets de vert, combien je mets de bleu. Et ça va être genre 255, 255, 255. Ça fait du blanc. Et donc tout ça, ce qui est intéressant, c'est d'avoir 255, parce que du coup c'est codé sur un octet. Et donc, pour chaque pixel, eh bien c'est un ensemble de 3 ou 4 octets. Maintenant, pour chaque octet, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que entre un octet qui est à 255 de rouge et un octet qui est à 254, eh bien nous, notre œil, il voit pas la différence. Il voit absolument pas. Par contre, un ordinateur, il peut passer comme ça sur un fichier et extraire systématiquement un octet par pixel. Et en fait, dans ces octets, ça peut encoder d'autres choses. Donc l'idée, c'est d'utiliser juste l'octet qui va avoir le moins d'influence, pardon, le bit qui va avoir le moins d'influence de cet octet, qui va faire juste une différence entre 17 et 18 de bleu, vous ne voyez pas la différence. Mais ce plus 1 ou pas, eh bien, c'est quelque chose qu'un ordinateur peut voir très rapidement et il peut l'extraire et en faire reconstruire des données à partir de ça. Si en plus vous avez, comme sur un fichier PNG, si en plus vous avez de la transparence, à ce moment-là c'est une quatrième valeur. Donc pour chaque pixel, pardon, vous avez 4 octets, donc vous pouvez sortir 4 bits de poids très faible, et donc vous avez donc 4 bits par pixel, et donc sur une photo de 2 mégapixels, et bien donc vous avez 2 mégabits, c'est-à-dire 2 millions divisé par 8 octets. Non, 2 fois 4. Bref. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une variante. Dans cette implémentation, je lis là, pour le coup. Dans cette implémentation, chaque pixel encode une petite quantité d'information qui s'appelle un nibble, c'est-à-dire que c'est un bit par chaque chaîne, par chaque valeur de cet octet. Donc soit les alphas, c'est-à-dire la transparence, soit le rouge, le vert et le bleu. Tout ça pour l'instant, c'est cohérent avec ce qu'on a dit. Autrement dit, deux pixels contiennent chacun deux pixels mis bout à bout, ça fait un octet. Voilà, c'est à peu près c'est presque ce que je disais. Autrement dit, donc le calcul que j'avais pas fait jusqu'au bout, c'était que sur une photo de 2 mégapixels, vous avez 1 mégaoctet. Cette méthode est très simple à détecter par une analyse statistique. Par contre, l'œil ne voit rien. Ok, donc en fait, je comprends mieux leur schéma. Voilà. Donc c'est-à-dire, tout ça, c'est je sors un bit d'information, un bit ici, un bit sur chaque valeur de pixels. J'utilise 2 pixels pour sortir 8 bits, autrement dit, j'ai un octet d'information. C'était un peu plus trapu d'habitude. Ça va tout le monde? Vous suivez toujours? Vous me dites si ça va. Si je vais trop vite, si je vais pas assez vite, si c'est easy peasy pour vous, ou si au contraire c'est un peu technique, ou j'utilise des bases que tout le monde ne partage pas forcément. Maintenant, si PNG Loader arrive à décoder donc ces choses qui sont dans les images, eh bien, cette charge est compilée et exécutée immédiatement. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que il y a toujours un nombre au début d'un fichier
qui indique de quel type de fichier il s'agit. Et donc on peut détecter s'il y a une exécution de code, comme ça, s'il y a une exécution de code malveillante utilisant cette méthode. Voilà. Voilà, on va passer à un autre article, je vous propose. On est rentré un peu plus dans le détail que d'habitude. Mais moi je trouve ça toujours marrant quand on a des vraies utilisations dans la vraie vie de stéganographie, parce que c'est vraiment un truc hyper obscur, hyper compliqué, pour pas grand chose généralement, pour un truc qui est pas très utilisé. Je parle beaucoup, donc je reprends du café. Au niveau des annonces cyber, rapidement, on va parler de l'Australie. On va regarder une petite vidéo. Elle est là. Voilà, la vidéo fait 2 minutes, on va pas tout regarder. Est-ce que vous avez une chance d'entendre ? Non. Ne bougez pas. Mark Dreyfus and I announced with the Deputy Prime Minister yesterday that we're setting up a permanent standing operation, a partnership of new policing between the Australian Signals Directorate, which are the cyber guns of the Australian Public Service, and the Australian Federal Police. This is an entirely new model of operating for these two organisations. What they will do is scour the world, hunt down the criminal syndicates and gangs who are targeting Australia in cyber attacks, and disrupt their efforts. This is Australia standing up and punching back. We are not going to sit back while our citizens are treated like this way and allow there to be no consequences for that. Okay, just to be clear though, this task force has been in place for a while. Okay, petite explication si vous avez un peu du mal avec l'anglais. Qu'est-ce qu'elle vient de dire ? Elle vient de dire donc que la police australienne a décidé de réagir aux événements récents. Dans les événements récents, on a parlé ce matin de l'attaque de Medibank. Enfin, on va en parler un peu plus en détail. Medibank, c'est une organisation australienne. Et donc, elle a dit on met en place une force qui va. On va pas rester sans réagir. On va mettre en place une forme. L'Australie se lève et rend les coups. Et donc on va mettre en place une force qui va parcourir, chercher le monde à la recherche de hackers et attaquer spécifiquement ces hackers. Donc c'est un peu l'idée du hackback. C'est quelque chose qui est... En France, par exemple, le hackback, c'est strict verboten, c'est interdit. Seule l'ANSSI, la gendarmerie, ont le droit de mener des opérations, mais même... leur but, ça va être de stopper les hackers, c'est pas de hacker les hackers. Il y a une différence dans la rhétorique, en fait. Et donc là, elle dit, on met en place une force, c'est un nouveau truc, qui vise à, vraiment, ils sont pas là, ils attendent qu'on se fasse pirater, ils vont là, vraiment, ils vont chercher les nouveaux hackers, et ils vont les pirater avant qu'ils aient le temps de nous pirater. Donc c'est vraiment un côté, il y a vraiment un côté guerre cyber, quoi. Regardez la question du journaliste qui dit, mais attendez, là vous me parlez de deux organismes qui existent déjà, c'est quoi exactement votre annonce? On regarde sa réponse. While though, hasn't it? No, that's incorrect. Okay. So this is a new operation, a permanent standing force of 100 of the best, most capable cyber experts in this country that will be undertaking this task for the first time. Offensively attacking these people, David. So this is not a model of policing. Elle insiste dessus. For a crime to be committed, and then try to understand who it is and do something to the people who are responsible. We are offensively going to find these people, hunt them down, and debilitate them before they can attack our country. What's your expectation here of what they'll be able to achieve? Le mot clé, c'est avant qu'ils attaquent. Donc ça, c'est nouveau. C'est totalement nouveau. En tout cas, il n'y avait pas de doctrine comme ça, à ma connaissance, dans un pays occidental.
Je vois pas ton nom. Pipotron, ouais, je bosse dans un cyber, ouais, tout à fait. Je suis pentester, et depuis peu, je suis pentester indépendant maintenant. Et j'ai fait de la réponse à incident aussi. Voilà. Gérer les petites crises, quand des gens se font pirater. Tout ça, des choses assez fun. Voilà, c'était la petite annonce. Moi, je trouve ça sympa. C'est sympa d'avoir une petite vidéo. Ça change un peu le rythme. Une autre annonce. Logbit, arrêté au Canada. C'est un article de Numerama. Il est ici. Voilà. Les forces de l'ordre conjointes, on va le lire. J'aime beaucoup Numerama, donc on ne va pas le mettre en mode lecture pour que vous voyez leur superbe overlay. Non. En fait, on va le mettre quand même en lecture. Les forces conjointes d'Europol, du FBI et du Canada ont arrêté un membre du célèbre groupe de pirates, Logbit, connu pour avoir attaqué l'hôpital de Corbeil-Essonne. Ouais, alors Logbit, ils étaient très 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 actifs. Hein. C'est un groupe très actif, ils n'ont pas fait que Corbeil-Essonne. Ils étaient connus bien avant Corbeil-Essonne, mais effectivement, c'est eux qui sont responsables du piratage de Corbeil-Essonne. Ce ressortissant russe de 33 ans était l'un des opérateurs du logiciel malveillant, selon l'agence européenne. Il parle d'Europol. Alors maintenant, quand vous êtes cherché dans le monde entier, que vous êtes un truc de Logbit, qu'est-ce que vous faites au Canada? C'est une autre question. Il est soupçonné d'avoir déployé le ransomware Logbit pour mener des attaques contre des infrastructures très critiques et des grands groupes industriels à travers le monde. Le suspect a été rattrapé par les forces de l'ordre en Ontario, au Canada, à la suite d'une enquête menée par la gendarmerie nationale française avec l'aide du Centre européen de lutte contre la cybercriminalité, d'Europol, du FBI et de la gendarmerie royale du Canada. Voilà. Qui s'appelle GRC, ce que je trouve très drôle. Parce que GRC, c'est l'acronyme qui désigne la gestion, gouvernance, gestion des risques et compliance. Un truc... toute la partie de la cyber qui est un peu moins technique. Là, c'est la gendarmerie. Donc, bonne nouvelle. Si j'ai d'anciens collègues qui m'écoutent, sachez que votre travail, notre travail que je sais, a peut-être servi à arrêter cette personne. Ils ont saisi 8 ordinateurs et 32 disques durs externes. Ça fait beaucoup. Deux armes à feu. Donc le mec était au Canada. Enfin, okay. 400 000 euros en crypto-monnaie au domicile du suspect. Hein? Attendez. Ils ont saisi 400 000 euros de crypto-monnaie au domicile du suspect. Qui saisissent des liasses de billets. Ok, je comprends, pas de soucis. Comment on trouve dans un domicile 400 000 euros en crypto-monnaie par définition, c'est pas physique. La phrase est étonnante. Logbit était l'une des plus importantes cibles d'Europol en raison de leur implication de nombreuses affaires de ransomware très médiatisées. Tout à fait. Ce que je vous ai dit, hein, y a pas que l'hôpital de Corbeil-Essonne. Le bon... Bogdan nous dit qu'ils étaient connus à cause de ça, mais en fait... Bah ouais, Ledger, ils ont dû saisir un disque dur, une clé, un truc avec un token physique, ouais. Bienvenue d'ailleurs, Motosho. Mais la phrase fait un peu... Ah, on est arrivé, et puis il y avait des billets de Bitcoin par terre. Ce qui me fait un peu marrer. En France, Logbit a fait des gros titres cet été après avoir paralysé le système informatique. Et bonjour. Mais bonjour à toi. Il avait déjà marqué les esprits avec une première offensive contre le ministère de la Justice française en janvier. Ouais, il était même déjà très actif avant l'année dernière. Alors maintenant, la question. Effectivement, la question que je me posais en lisant ça, c'est que vous savez peut-être que les ransomware, c'est un écosystème qui se met de plus en plus professionnalisé. Maintenant, il y a les gens qui font la gestion de l'infrastructure du ransomware. Il y a des gens qui sont chargés de rentrer dans le réseau. Il y a des gens qui sont chargés de, une fois rentré dans le réseau, il vient de pivoter jusqu'à devenir administrateur du réseau.
Donc comment quel était le rôle exactement de ce monsieur dans ce truc-là? C'est pas du tout pareil si ce monsieur gérait l'encaissement des rançons ou s'il gérait le piratage lui-même des hôpitaux. Bleeping Computer doute que le hacker arrêté soit le responsable du collectif, puisque ce dernier est toujours actif sur les forums de pirates le 9 novembre. Ça devrait être un développeur ou un partenaire malfaiteur, qu'on appelle un affilié. Logbit est ce qu'on appelle un ransomware as a service. C'est-à-dire, donc, en gros, dans l'idée, les groupes de ransomware sont plus là. On rentre, on casse, on encaisse la rançon. Ils sont là, ils se disent, bah non, on se spécialise sur un truc. Si vous êtes rentré sur un réseau, appelez-nous. Nous, on va se charger de déployer le ransomware. Et d'encaisser la rançon pour vous. Et de vous de vous faire encaisser la rançon, et on prend juste une commission. Donc c'est tout un écosystème, et c'est ça l'idée du ransomware as a service, c'est-à-dire, tu veux pirater telle personne? Ok, tu nous laisses cette partie-là, c'est notre domaine, on est spécialisé. Et si vous étiez là lors de la matinale, où on a lu un interview avec un opérateur de ransomware, par VX Underground, eh bien, vous avez vu que lui, il se considère comme comme une entreprise normale de cyber. Qui dit, bah, en fait, on teste. Et en fait, c'est comme des tests d'intrusion. Où en fait, on teste pour voir si un attaquant peut rentrer. Et on demande de payer si on a réussi à rentrer. C'est, évidemment, ils savent que c'est pas le cas. Personne n'est dupe, je pense. C'est la mauvaise foi. Donc, Logbit est un ransomware as a service. Cela veut dire que le logiciel peut être utilisé par d'autres hackers qui partageront la rançon avec les gestionnaires, donc exactement. Et le chef du groupe avait indiqué que plus d'une centaine de partenaires utilisaient son produit. Voilà. Lui, le but de Logbit, c'est l'image de marque. C'est d'avoir l'image d'une entreprise respectable, qui est très technique, qui sait ce qu'elle fait, et qui est, si vous cherchez une entreprise de ransomware, eh bien, l'objectif, c'est que vous pensiez à eux. Évidemment, il y a un côté très commercial. Hein. Et donc, il va se vanter, il va dire... limite, il y a une page « Ils nous font confiance » sur son site web. Si tout cela était légal, ce serait un peu ça, quoi. Lancé il y a 2 ans. Oh là. Oh là. Not safe, no, attention, not safe for work. Oui, je vais y venir juste après Nils Schweinstein. Bienvenue aussi, je vois que c'est la première fois aussi sur le chat. Lancé il y a 2 ans, le collectif est devenu l'un des plus prolifiques dans le monde des hackers, donc toujours ce que je vous disais tout à l'heure, avec un tiers des attaques de ransomware répertoriées en mai-juin dernier. Alors, ce que Bogdan ne dit pas dans cet article, c'est que mai-juin, c'était des mois assez calmes quand même. Par rapport à l'année dernière. Mais l'année dernière, ils étaient quand même déjà très actifs. Alors là, pourquoi on regarde ça? C'est qu'ils ont proposé 1 000 dollars. Le groupe actif sur les forums de hackers russes avait décidé de récompenser financièrement ceux qui seraient tatoués leur logo. Voilà, je passe rapidement parce que je ne sais pas où est, dans quel cadre vous regardez cette matinale. Donc ça, on n'a pas prévu de regarder des poitrines de qui que ce soit. Voilà, et donc ils ont tatoué le logo du ransomware en échange de 1 000 dollars. Voilà. Et je crois qu'il y a au moins 20 personnes qui ont fait ce tatouage. Voilà. Ce qui est super bête, parce que du coup, vous ne pouvez plus passer aux frontières. On peut être sûr que... Enfin, c'est une super manière de se faire repérer partout, quoi. si vous allez à la piscine et que vous avez un énorme tatouage Logbit... Pour moi, ça veut dire à minima que vous traînez sur les forums de hacking. À minima. En Ukraine, il y avait déjà une arrestation de 2 complices. Voilà, je passe un peu rapidement sur la suite et on va répondre à ta question, Nils. Le mélange entre les ressortissants... Ah, très important. Le mélange entre les ressortissants russes et ukrainiens... peut surprendre, mais la majorité des groupes criminels de ransomware ne sont motivés que par l'argent et mettent la politique de côté. Le collectif avait déjà été perturbé en septembre par une fuite d'informations sur leurs propres produits, après une dispute interne avec un développeur. Ouais, on en avait parlé ici.
Et donc Bogdan finit en disant « Il faudra surveiller l'activité du groupe pour voir si c'était vraiment impactant. » Le mélange entre ressortissants russes et ukrainiens peut surprendre, mais on rappelle qu'avant la guerre, c'était deux pays qui étaient très 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 proches, qu'il y avait une grande part en Ukraine de la population qui parle russe, et puis beaucoup de Russes aussi qui habitaient en Ukraine, qui parlaient ukrainien. J'ai pas mal de copains russes dont la famille était en Ukraine en fait au moment de la guerre. Ouais, et Bogdan lui-même, le journaliste qui a écrit cet article, est d'origine ukrainienne. Donc il sait de quoi il parle. Qu'est-ce que c'est VX Underground ? VX Underground, c'est... Perdu. VX Underground, qu'est-ce que c'est ? C'est... je vais faire ça plutôt. VX Underground, c'est un collectif qui vise à partager des extraits de malware. Donc en fait, c'est... Le but, c'est que tu puisses étudier des malwares. Ouais, ils avaient une relation fraternelle, ouais, exactement. Un peu comme la France et la Belgique, ouais. Voilà, un peu avec beaucoup de... certaines populations qui voyaient un peu les deux pays limite avec deux systèmes politiques différents mais en fait le même peuple quoi, peut-être. Et évidemment c'est pas la vie de tout le monde en Russie et c'est pour ça qu'il y a eu la guerre. Voilà. VX Underground, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe qui vise à donner, à partager des codes, tu vois, donc des papiers de recherche sur des systèmes industriels, sur Linux, sur Windows, des collections de malware. Donc tu vois, des trucs, c'est rangé par APT. Est-ce que c'est des malwares très avancés? Est-ce que c'est des collections d'IOC, c'est-à-dire de traces d'adresses IP, de hash, etc. Est-ce que c'est des APK, c'est-à-dire des applications pour des smartphones Android? Donc ils ont une archive comme ça, tu vois là sur la droite, peut-être c'est un peu petit je pense, mais sur la droite tu vois toutes les années pour lesquelles ils ont des archives. Et donc le but c'est vraiment de permettre la recherche sur les groupes d'attaquants qui sont un peu comment dire. On peut les considérer qu'ils sont tout le monde n'apprécie pas forcément leur travail parce qu'en fait ils sont un peu, ils ne se positionnent pas sur des questions qui peuvent être politiques mais surtout qui peuvent être éthiques parce que peut-être que partager des codes sources de malware, ça peut être un moyen pour des groupes d'attaquants de récupérer des malwares et de s'en inspirer. Je devrais parler de maliciel normalement, plutôt que de malware. C'est le vrai terme français. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Mais donc voilà ce que c'est que VX Underground. On passe à la suite. Logbit, on a parlé. On va accélérer un petit peu, je pense. Il est 56, ouais, on va accélérer. GitHub ouvre un truc de responsible disclosure. On va... Allez, on trouve l'article qui était là-dedans. Je vous trouve l'article dans un instant. Hop. Pardon, c'est pas le bon mail. Je me posais la question pour y avoir été invité. Voilà. Je vous sors juste comme ça un nouveau... Ah mais je l'avais déjà. Oh là là. Je suis bien plus organisé que je ne le crois en fait.
Donc GitHub met en place une... je vous mets l'article ici, je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo. La vidéo qui est évidemment récupérable sur la chaîne secondaire, mais aussi le lien sur cette chaîne principale, qui reste actif. Mais à terme, je migre tout ça sur la chaîne secondaire, qui s'appelle Pour Info, Live et Actu. On va pas commenter tellement plus là-dessus, c'est très bien, je pense que c'est une excellente chose, et c'est une manière toute bête de soutenir le logiciel libre. Voilà. Que me dis-tu, Nils? J'étais invité sur le Discord en section Red Team. Eh bah, très cool. Bah, je suis pas sur le Discord, mais il doit se passer beaucoup de choses sur le Discord. Je pense que c'est un endroit intéressant, pas tellement pour des techniques de Red Team, mais plus pour de la CTI. C'est-à-dire pour du renseignement sur les attaquants. Enfin, après, je ne suis pas, tu vois. Mais pour moi, je pense à VX Underground, je pense CTI tout de suite. Ok. La suite. On va parler de dissuasion cyber. Hop, dans sgdsn.gouv.fr, revue nationale stratégique. Le point 131. Donc, qu'est-ce que c'est que cette revue nationale stratégique. On va commencer avec une petite photo d'Emmanuel Macron. Question bête. Est-ce que hier... Il n'y a pas de question bête. Il n'y a pas de question bête. Et il y a encore moins de questions bêtes ici, sur cette matinale. Si je voulais faire de... Comment dire? Si je voulais faire de l'actu à destination uniquement des pros... Je prendrais moins de temps et beaucoup moins de plaisir d'ailleurs. Donc il n'y a pas de question bête. IRC, je ne sais pas, c'est une excellente question. On peut chercher. On cherche en deux secondes. On va chercher une recherche tout à fait orientée comme ça. Ouais, il y a Nils qui répond oui. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est quand même beaucoup moins présent à cause de Discord. Discord est quand même beaucoup plus présent. Donc, IRC, qu'est-ce que c'est? C'était un chat et en fait un protocole très simple que tu pouvais avoir en ligne de commande. Donc c'était beaucoup utilisé par dans les débuts des années 2000 ou même jusqu'à 2015. Moi je l'ai utilisé jusqu'à facilement 2017 hein. Et c'est un protocole très simple, donc en fait c'est tu peux échanger en ligne de commande avec tes copains sur IRC. Et ça peut être assez décentralisé aussi, parce que c'est comme un serveur de mail. En fait, tu te connectes à un certain serveur, t'échanges avec les gens qui sont dessus. Donc tu peux te dire avec tes copains, bah venez, on se fait un serveur, et tu fais ça. Je pense qu'il y a quand même beaucoup moins de monde. Aujourd'hui, ça passe beaucoup par les Discord. Mais je pense que techniquement, il y a toujours des serveurs qui doivent être actifs, hein, c'est sûr. Et puis, le protocole est toujours utilisé, tu sais pourquoi? Parce que là, tu me poses la question sur Twitch. En fait, le chat de Twitch, c'est un serveur IRC. Voilà. Donc là, typiquement, j'ai pas activé les bots sur le chat. Mais j'ai développé un bot qui me sert à avoir à la fois le chat de YouTube et de Twitch. Et en fait, le chat de Twitch, c'est... Le protocole qui est utilisé, c'est IRC. Voilà. Qui est un protocole très simple. J'envoie un message, je reçois les messages qui arrivent. Voilà. Et ouais. Donc en fait, tu utilises IRC en ce moment même, mais tu ne le savais peut-être pas. On parlait de quoi? On avait parlé... Ah oui, de la revue nationale. Donc, qu'est-ce que c'est? Revue stratégique nationale, l'idée, c'est quelle est la stratégie en France? Comment est-ce qu'on va s'occuper de la guerre cyber, la guerre économique, la guerre pour de vrai? Et donc, on a cet article 131 qui dit « Face aux évolutions stratégiques, l'effort doit porter sur l'amélioration de notre résilience cyber. Aucun moyen ne suffit pour envisager un bouclier cyber
qui mettrait en échec toute cyberattaque menée contre la France. Mais renforcer son niveau de cybersécurité est essentiel pour préparer le pays à davantage de menaces. De même, l'application d'une logique dissuasive dans le cyberespace qui forcerait tout attaquant à la retenue contre la France est illusoire. Mais adopter des stratégies de réponse mobilisant l'ensemble des leviers d'État européens et internationaux permet de répondre aux cyberattaques, de rendre les cyberattaques particulièrement coûteuses pour les attaquants. Je traduis. Je pense qu'il y avait des articles en anglais qui étaient plus clairs. Je traduis. De ma compréhension, pourquoi on en parle ? C'est que je l'ai vu dans des newsletters américaines qui disaient « Tiens, c'est marrant, les Français disent ça. C'est intéressant. » Et c'est vrai, la stratégie militaire française, elle passe beaucoup par la dissuasion nucléaire. Vous savez que la France a l'arme nucléaire. Et c'est très utile pour la dissuasion. Le cœur de l'armée, c'est les sous-marins nucléaires qui font que si jamais quelqu'un attaque la France, ils peuvent être sûrs de se prendre une frappe nucléaire qui vient d'un sous-marin d'où personne ne sait où il est, à quel moment, et donc c'est quelque chose d'assez efficace. La France, évidemment, est tentée... Ce qui est intéressant là, c'est qu'on a parlé de la doctrine cyber-australienne, et je pense que la France cherche une doctrine. Il n'y a pas une doctrine très claire en France. Vous voyez, il y a une doctrine très claire en Chine, par exemple, qui est de dire... On a des groupes de hackers qui font de l'espionnage industriel, et on coupe notre internet. Notre internet, il est surveillé, on raconte pas n'importe quoi sur notre internet. Voilà, c'est une doctrine très claire. La doctrine US, elle est très claire. Elle est de dire, on se rapproche avec les entreprises, nos entreprises, c'est elles qui font un peu le jour et la nuit sur l'internet mondial. On se rapproche des entreprises. Les entreprises et la défense travaillent toujours ensemble, quoi qu'il arrive. Toutes les innovations pour l'informatique, c'est beaucoup des entreprises qui ont les capitaux de la défense. Voilà. Il n'y a pas de doctrine aussi claire en France. Et donc, clairement, il y avait, à mon avis, une tentation de chercher une doctrine autour de la dissuasion pour répliquer un peu ce qui se fait dans l'armée avec l'arme nucléaire. Et clairement, ce que dit ce papier, c'est que ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'existe pas de bouclier cyber. Et pour moi, ce bouclier cyber, c'est clairement des fonctionnaires, des agences de renseignement et de cyber de l'État qui savent de quoi ils parlent, qui sont des spécialistes et qui écrivent ça pour un peu comme un pied de nez à Emmanuel Macron, qui, dans ses promesses de campagne, avait parlé d'une armée de cyber-patrouilleurs. Plein de choses cyber, ça avait l'air cyber bien, et c'était des super cyber promesses, mais qui sont pas réalistes, qui sont pas cohérentes avec la réalité du terrain. Donc, comment je comprends ce texte, c'est au-delà des annonces du gouvernement, la cyber, c'est complexe, on n'arrivera pas à avoir une dissuasion totale, comme on a avec l'arme nucléaire. Par contre, notre but, ça va être de rendre les attaques de plus en plus coûteuses pour les attaquants parce qu'ils savent qu'ils ont un risque de réponse et ils savent que c'est de plus en plus complexe. Et ils parlent aussi de résilience cyber. Je vous lis pas tout, mais vous voyez qu'ici, il y a un point 1. Voilà. Objectif stratégique 4, c'est la résilience cyber. Et la résilience cyber, ça veut dire quoi, résilience ? Moi, à la base, au début de ma formation, je faisais beaucoup de... J'étais ingénieur un peu en mécanique, et donc la résilience, la dureté d'un matériau, c'est à quel point il se déforme quand vous appuyez par exemple avec une pointe. La résilience, c'est si vous le faites tomber, si vous avez un énorme marteau qui tombe dessus, est-ce que le truc se casse ou pas ? Est-ce qu'il se déforme ? S'il se déforme, il est résilient. S'il se casse, il est pas résilient. Il est nul à chier, quoi. Ah, j'ai plus de chat. Donc, la résilience cyber, c'est super important, je suis tout à fait d'accord. C'est exactement pour ça que moi, je fais une chaîne YouTube et que je vous parle dans cette matinale. C'est pour qu'on parle de cyber de manière normale, comme un sujet normal dont tout le monde peut parler. Voilà. Voilà, voilà. Ça veut pas dire qu'ils vont arrêter de faire des attaques. Hein. Ça veut dire que les attaques...
vont être... Mais vous voyez que là, par rapport à l'Australie qu'on a vue tout à l'heure, on n'est pas du tout sur la même logique. L'Australie va dire, on va attaquer les premiers. La France dit, on va se défendre, on va riposter, et on va s'adapter aux attaques. Mais on n'est pas du tout dans la même logique. On est à la rue en cyber en France. En vrai, ça va. On n'est pas trop mal. Mais on n'est pas très bien. Genre, clairement, je pense effectivement que... disons qu'on est... la France a des capacités pour être quand même... Surtout en défense, niveau défense et niveau législatif. Salut Flo. Hello, j'espère que tu vas bien. La France a clairement des capacités intéressantes, surtout en termes de défense, mais pas au niveau de la 5e ou 6e puissance mondiale qu'elle veut être ou rester. Défense, tu connais un soc potable en France ? Attends, mais... La question, si tu me poses la question, est-ce que je connais un soc potable en France ? Je te réponds, peut-être qu'on n'a pas de soc potable, mais on a des socs. Et c'est déjà énorme. En fait c'est déjà pas mal. On a des socs, on a l'ANSSI qui bosse bien, on a la gendarmerie qui bosse bien, on a des services secrets qui savent faire des choses en cyber. On n'a pas le niveau de technicité et l'industrie comme Israël. On n'a pas une doctrine forte comme la Chine, la Russie. On n'a pas le niveau de maîtrise de l'Internet mondial qu'ont les États-Unis. Mais on a quand même une entreprise, on a quand même une petite doctrine, on a quand même une industrie, on a quand même des agents étatiques qui sont très compétents. On a des choses intéressantes. Alors il nous manque clairement pour moi une doctrine globale, il nous manque un pouvoir politique qui dise clairement on veut faire ça, on veut aller dans telle direction sur la cyber, et notamment au niveau de la souveraineté. C'est pas vrai qu'ils sortent d'école l'ANSSI. Hein. Moi, les gens que je connais là-bas, l'ANSSI est très réputé hein, sur la scène internationale. Tu vois, typiquement, sur tout ce qui est Windows, je veux dire, s'il y a une communauté de hackers nationales qui fait peur à Microsoft, c'est les Français. Avec des gars comme Letout, Delpy... Qui connaissent parfaitement Microsoft, je veux dire, c'est à mon sens, c'est les deuxièmes meilleurs experts de Microsoft après Microsoft. Voilà. Et ces gars-là, notamment, il y en a beaucoup qui ont bossé à l'ANSSI. Les experts Microsoft de l'ANSSI sont très très capables. Et effectivement, c'est vrai qu'ils font 3 ans et ils repartent pour la plupart parce que c'est pas très bien payé. Mais c'est quand même un foyer de compétences très intéressantes. Voilà. Moi, je connais des gars qui sont partis à l'ANSSI pour être des experts, et clairement, ils sortent pas d'école. Hein. Delpy bosse Luxembourg. Il bossait pas à la Banque de France ? Je confonds peut-être avec Vincent Letout. Pour moi, il bossait à la Banque de France. Je peux me tromper. C'est ma vision, en tout cas. Moi, j'ai l'impression que la France... Enfin, disons, c'est juste pour nuancer un peu ton propos. Oui, on est à la rue par rapport au top 10 auquel on se compare. On est moins à la rue que tout n'est pas nul, quoi. On est moins à la rue que ça. Je nuance un peu. On n'est pas non plus nul à chier. Une des premières revues de l'actualité que j'avais fait, il y avait un rapport qui classait les capacités cyber des différents pays, et la France arrivait assez bien pour des raisons de défense, et pour des capacités de défense, et des questions de loi aussi, parce que la France dicte certaines lois.
Notamment le RGPD qui vient de la LPM. Pour tous ceux qui ne sont pas familiers avec ces acronymes, c'est les lois européennes qui viennent de certaines lois françaises qui protègent les données. Et cette loi européenne, maintenant, elle est répliquée. Elle a été reproduite un peu partout, en Californie, en Chine et à plein d'endroits. Mais donc, c'était intéressant d'avoir la vision de cet article qui était universitaire, tu vois. Il faut dire que la France est relativement beaucoup ciblée par les cyberattaques. Ouais, je sais pas, c'est pas non plus la cible ultime. Pour moi, c'est le... Salut Lightman, hein. Bienvenue. Le RGPD qui embête bien tous les GAFAM. Alors, le RGPD, il a beaucoup de défauts, hein. Il embête peut-être pas tant que ça les GAFAM, mais il a le mérite d'exister. Mon propos est juste de dire, ouais, c'est pas ouf, mais c'est mieux que rien. Voilà, on aurait pu ne jamais avoir de RGPD. Avec le lobby que font les GAFAM, on aurait pu ne rien avoir du tout. Je pense. Et c'est intéressant de voir que le RGPD est notamment l'œuvre de la France. Maintenant, est-ce que la France est relativement ciblée par des cyberattaques? Tu vois, j'ai l'impression que d'un point de vue stratégique... Je suis pas sûr qu'elle soit si ciblée que ça. Pour moi, c'est uniquement les entreprises qui sont ciblées beaucoup par des ransomware. Et d'un point de vue stratégique, la France n'est pas tant ciblée que ça. Alors peut-être parce que il y a plus beaucoup d'industrie de pointe en France. Mais pour moi, elle n'est pas tant ciblée que ça. Tu vois, par rapport aux US, quand tu compares aux US, clairement les US qui sont l'homme à abattre pour la Chine et la Russie. La France, j'ai envie de dire, ils s'en foutent un peu, la Chine et la Russie, tu vois. Pour moi, par rapport à sa taille et sa maturité cyber. Bah, justement, par rapport à sa taille, par rapport à ses ambitions, ouais. Par rapport à sa taille, ouais, elle est très ciblée. Par rapport à ses ambitions, je pense que ça va. Ouais, c'était du sarcasme, mais oui, elle a le mérite d'exister, elle est simplement dépensée par des gens qui ne maîtrisent pas le sujet comme ce coin. Ouais. Je suis pas 100% d'accord, mais je te l'accorde très volontiers, je pense. Ouais, c'est du sarcasme, non mais oui, bien sûr, on est d'accord. On est d'accord que le RGPD a plein de défauts. Hein. Mais voilà, il existe. C'est déjà pas mal. Mais donc ouais, pour finir la discussion sur la France à maturité cyber, c'est une excellente question, ça dépend ce que tu prends en compte, Lightman, parce que si tu prends en compte toutes les arnaques, par exemple, la France, effectivement, c'est là où, enfin, c'est un pays riche, donc il y a de l'argent à se faire, donc toutes les arnaques, toutes les petites attaques, tu vois, effectivement, à ce titre-là, je pense que la France est effectivement très ciblée, si tu prends ça en compte. Maintenant, si tu prends juste en compte les vrais piratages d'entreprises, d'organismes, je pense que c'est à peu près homogène par rapport à sa taille, je sais pas. Je suis intéressé d'avoir du coup ton avis, si tu veux développer un peu plus ce que tu avais en tête, n'hésite pas. Puis d'avoir l'avis aussi de tous les gens, je vois que Pipotron réagit aussi. Je suis intéressé par avoir votre avis, je pense que c'est une discussion très intéressante et très 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 complexe. J'essaie d'avoir un avis un peu nuancé, du coup c'est un peu compliqué de répondre rapidement. Donc. Bon, on va n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, on va passer rapidement à la suite. Ouais, alors Apple, limite airdrop, il est où? C'était le Guardian. Où est cet article? Il est là. Tout est dans le titre. Apple restreint la fonction airdrop à tout le monde. Pour uniquement 10 minutes avec la nouvelle version d'iOS, la version d'iOS chinoise. Et en fait, ils vont étendre cette fonction à tout le monde. Et pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'en fait, c'était une demande. Voilà.
Voilà, alors je vous mets en grand les deux phrases qui nous intéressent dans cet article un peu. L'article disait au début, c'est pas très clair pourquoi Apple a décidé de restreindre, limiter cette fonctionnalité à 10 minutes seulement. Et certaines personnes ont spéculé sur le fait que le gouvernement chinois voulait éviter que des gens utilisaient anonymement ce moyen pour partager des informations anti-gouvernement. Update. Effectivement, nos lecteurs nous ont indiqué que les contestataires en Chine utilisaient AirDrop pour échanger et partager massivement des images qui sont contre le gouvernement et Xi Jinping, qui est, vous savez, le président à vie de Chine. Voilà. Je trouve ça toujours intéressant, tout ce qui concerne la liberté d'expression. On passe à la suite rapidos, parce qu'il est déjà 9h15, et on va essayer de se terminer par 9h30. On a parlé de Medibank, hein, quand on a parlé de la première ministre australienne. Mais donc Medibank, ils ont une fuite de données, c'est des données de santé, donc c'est très sensible. Notamment, il y a un dossier qui s'appelle avortement, donc tout ça est extrêmement sensible. Yandex Food, je crois qu'ils ont eu gain de cause pour quelques millions de roubles. Donc les victimes, il y avait eu quelques milliers de victimes qui avaient eu une fuite de données, et ils ont eu gain de cause, et donc ils ont été dédommagés par Yandex, qui est le Google chinois. Russe, pardon. On passe aux rubriques habituelles. La loterie des ransomware. Alors vous savez que j'essaye régulièrement, chaque semaine, de faire des petites rubriques un peu absurdes. La loterie des ransomware, il y a des gens qui sont fait pirater par des ransomware, rien en France. Medibank, ça a un peu escaladé avec le groupe d'attaquants. J'ai pas socialement préparé de loterie des ransomware. Alors, la question d'après. Je me suis dit la semaine dernière, tiens, ce serait marrant. Chaque semaine, il y a des exchanges de crypto-monnaies qui sont piratés. Et du coup, je vais mettre chaque semaine une question. Est-ce que cette semaine, il y a eu des crypto-échanges piratés? Eh bien, est-ce que cette semaine, il y a eu des échanges de crypto-monnaies piratés? Oui. Oui. Et même pas juste piratés. On va parler de FTX, qui est même pas... Ça n'a même pas été piraté. Ça a été en faillite. Est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que c'est un hack? Qu'est-ce qui s'est passé avec FTX? Qu'est-ce qui se passe? C'est un... pour reprendre l'expression anglaise, c'est un spectacle fécal. Voilà. On va trouver l'article de The Guardian qui dit « L'échange de crypto-monnaie FTX ne vaut plus rien. » Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vous lis juste l'intro parce que c'est assez gold. Le fondateur du deuxième plus grand échange de crypto-monnaies au monde, FTX, s'est excusé pour le quasi-effondrement de son entreprise en disant qu'il a merdé. Je traduis littéralement. Dans ses calculs et sa communication durant la crise. Donc Sam Bankman-Fried, un millionnaire et donneur pour le parti démocrate à Washington. Donc il a fait ce qu'on apprend. Voilà, je traduis à la volée et on lit en diagonale. Ce qu'on comprend, c'est que il a fait énormément de lobby pour la régulation des crypto-monnaies. C'est hyper bien de faire du lobby pour la régulation des crypto-monnaies quand tu as des crypto-monnaies, parce que du coup, tu maîtrises un peu comment est faite cette régulation. Et ce qui se passe, c'est que dans les 72 heures avant mardi, les utilisateurs ont retiré 6 milliards de dollars
Et l'échange, l'exchange a dû bloquer certaines, certains comment dire, retraits de données. Voilà. Pourquoi tout ça? Parce que déjà le Bitcoin s'est effondré, donc 7,6%, ce qui est énorme, mais en vrai c'est quand même toujours à 16 000 dollars. Ethereum de 4%, ça reste toujours à 1 200 dollars. Et en fait, qu'est-ce que c'est, en gros, de ma compréhension. Et alors, si Motosho, si tu connais bien le sujet, n'hésite pas à me corriger. On s'est rendu compte, en gros, les gens se sont rendu compte que lorsque vous êtes un échange de crypto-monnaie, il faut que vous ayez suffisamment de cash. Meilleure chronique de la matinale cyber. Il faut que vous ayez suffisamment de cash. Parce que si tout le monde, vous êtes une banque, si tout le monde retire son argent en même temps, il faut que vous puissiez rendre la thune à tout le monde. Comme d'habitude, la question, c'est rendre l'argent. Voilà. Je voyais beaucoup de parodies sur Twitter qui disaient, mais c'est étonnant, comment, qui aurait pu imaginer que cette entreprise domiciliée aux Bahamas par un millionnaire qui habite dans un autre paradis fiscal n'avait pas suffisamment pour rendre l'argent à ses clients, qui aurait pu le prévoir, quoi. Surtout que SBF, Sam Friedman, Bankman-Fried, est assez étonnant. Ce qu'aucune banque n'est en possibilité de faire. Oui, tout à fait, et ça, c'est un sujet chez les économistes récurrent qui dit est-ce qu'il ne va pas y avoir une grande crise à cause de ça, justement. Et c'est tout ce qui a créé aussi la crise de 2008. Mais en pratique, tu vois, typiquement, là on parle de Tether, je ne sais pas comment on est censé le dire, je regarde peut-être pas assez de vidéos de crypto-monnaie, Tether dont l'ambition c'est d'avoir un Tether qui est égal à 1 dollar, il faut qu'ils aient un fonds de cash pour être sûr d'avoir, pour pouvoir maintenir cette promesse de 1 dollar égale un Tether. Bulle bancaire, et bim, on se prend les pieds dans le tapis. Ouais, tout à fait. Mais en fait, la bulle bancaire, on sait qu'elle existe, on l'étudie, et c'est la raison pour laquelle il y a aussi des régulations. Tout l'intérêt des crypto-monnaies, c'est qu'il n'y a pas de régulation. C'est tout ce qui intéresse les gens sur les crypto-monnaies. C'est que, du coup, on peut les changer librement, du coup, c'est très simple comme système, mais du coup, aussi, on peut faire des arnaques, on peut faire des choses, on peut faire des montages financiers dans tous les sens. Et du coup, lorsque, en fait, il y a une entreprise qui n'a pas les fonds, et bah, c'est pas régulé. Donc en fait, vous êtes tout seul et vous pouvez juste, vous avez plus que vos yeux pour pleurer lorsque cette entreprise se fait pirater. Donc, il y a un problème de liquidité, donc c'est-à-dire de cash. Et donc le fondateur a dit, mais vous inquiétez pas, on n'est pas en faillite. Parce que on a suffisamment de monnaie, on a beaucoup d'actifs financiers qui sont les crypto-monnaies de nos clients. Sauf que ces crypto-monnaies, si tu n'as pas de cash, tu ne peux pas les changer en... disons, il faut que tu trouves, plutôt, c'est pas lié à ça, il faut que tu trouves des gens pour te les changer contre des vrais dollars dans la vraie vie. Et donc en fait, si personne ne veut acheter tes crypto-monnaies sur ton exchange, eh bien, elles ne valent plus rien. Et donc, je crois que donc, de ce que j'ai compris, il y a des investisseurs qui se sont retirés, qui ont dit « j'arrête d'investir là-dedans ». Et du coup, ça veut dire que dans la pratique, l'entreprise physique, hein, réelle, n'a plus, encore moins de liquidités, donc ça accentue la crise, et ton entreprise, son existence légale, donc, est menacée parce que tu n'as plus tes investisseurs. Donc, tu as beau avoir plein de choses dans le monde des crypto-monnaies, il faut quand même que tu aies une existence financière cohérente dans le monde, j'ai envie de dire, de l'économie traditionnelle. D'où la volatilité extrême, tout à fait.
tout à fait. Voilà. Pourquoi cette crise est arrivée, c'est qu'il y a eu des fuites de documents qui ont impliqué que Alameda Research, c'était un fonds d'investissement qui appartenait au même fondateur. Et en fait, l'exchange FTX a prêté de l'argent au fonds d'investissement. L'argent, évidemment, c'était l'argent des clients, du coup, que eux ont déposé sur la plateforme pour acheter des crypto-monnaies. C'est très bien. Eux te donnent leur monnaie du monde réel. Je m'autorise à utiliser ça, mais juste pour accentuer la différence. Les clients te donnent la monnaie du monde réel. Tu utilises, en échange, eux, ils reçoivent des monnaies virtuelles, des crypto-monnaies. Okay. Tu utilises cet argent du monde réel pour monter un business d'investissement. Eh bien, si en fait tu fais n'importe quoi avec ton business d'investissement, eh bien, t'as plus de thunes, et au moment où tout le monde te réclame sa thune qu'il a déposée, eh bien, évidemment, ils n'ont plus rien. Donc, c'est un problème. Et en fait, un exchange de base, en fait, je pense qu'en tant qu'entreprise, un exchange, c'est forcément un schéma de Ponzi. Parce qu'en fait, la promesse que tu fais aux gens qui viennent sur ta plateforme, c'est qu'ils vont s'enrichir. Donc, en fait, ils vont acheter. Mettons qu'ils vont acheter 10 bitcoins avec 10 000 euros. En fait, leur but, c'est qu'eux, ils vont échanger et tout. Au bout d'un moment, leur 10 bitcoins vaudra plus que 10 000 euros. Donc, d'une certaine manière, tu les payeras avec l'argent de nouveaux entrants. Donc, c'est forcément un schéma de Ponzi d'une manière ou d'une autre. Je pense. Enfin, sauf schéma, je connais très mal le sujet, donc des exchanges, en tout cas, je connais bien le sujet de l'écosystème des crypto-monnaies. Mais je pense que c'est un peu... voilà, ça me semble très, 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 très louche. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, on refait la frise. Il y a une fuite qui a dit que le fondateur a utilisé la thune de l'entreprise, donc la thune des clients qu'ils ont posé, hein, la thune des banques, pour investir ailleurs. Il a investi n'importe comment. Son fonds d'investissement n'est pas rentable. Donc, cette thune-là a été utilisée. Elle est plus là. Du coup, tout le monde veut retirer son cash. Tout le monde veut retirer son cash, donc on se rend compte qu'il n'y a pas assez de cash. Les investisseurs sortent, donc il y a encore moins de cash. Et ça ne va pas s'arrêter là. Ça ne va pas s'arrêter là. Nouveau rebondissement, c'est un article du journal du Net, dans l'effondrement de FTX. La plateforme crypto s'est fait dérober une somme colossale. Le fondateur est évidemment suspecté par la communauté. La descente aux enfers de FTX se produit 24 heures après avoir déclaré faillite. La plateforme d'échange annonce avoir subi un hack de plusieurs centaines de millions de dollars. 370 millions de dollars. On rembobine. Vendredi, un administrateur du canal Telegram officiel de FTX affirme que FTX est piraté, tous les fonds semblent avoir disparu. Le contrat FTX reconnaît des possibilités d'anomalie. L'avocat de FTX explique que les fonds ont été déplacés sur les fonds restants des clients. Tous les fonds clients ont été déplacés par précaution. Ces précautions sont pour éviter une tentative de piratage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous aviez un wallet, vous aviez votre monnaie, crypto-monnaie, dans un wallet crypto. Ces fonds ont été transférés dans un autre wallet que seule l'entreprise a. Pour protéger ses fonds. Mais du coup, seule l'entreprise a ses fonds maintenant, c'est plus les vôtres. Maintenant, vous êtes dépendant de la bonne volonté de l'entreprise pour récupérer ses fonds, et donc de sa volonté à être clean dans le monde financier réel, des monnaies pas crypto. Donc FTX se voit privé de 370 millions de dollars, une somme qui aurait pu être rendue à ses utilisateurs qui attendent toujours leur thune. Et les investisseurs qui ont placé leur argent sur la plateforme ne sont pas au bout de leur peine. La crypto-monnaie ont perdu 92% depuis le 8 novembre. Donc le 8 novembre, c'était il y a 6 jours. Leurs informations personnelles sont compromises. Je lis le chat, je rattrape un peu. Le souci que ça pose, c'est que ça met en lumière que les exchanges sont foireux. Ouais, voilà, ça, je suis tout à fait d'accord. Et quand le système va gratter en profondeur, il va voir que Binance et tout sont dans les mêmes cas. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Ça facilite grandement l'écriture dans le livre comptable. Ouais, je suis d'accord.
Plus grave encore que les restrictions sur les investisseurs, le hack compromet un échange sur la blockchain. Encore un exchange sur la blockchain. Donc en fait, il y en a deux. Il y a deux hacks en un en fait. Serum, un protocole développé par FTX, est mis à jour à l'aide d'une clé privée contrôlée par quelqu'un de FTX. Le piratage de FTX a donc compromis cette clé. Donc soit c'est un piratage et ils ont volé la clé privée que détenait FTX, donc la plateforme de crypto-monnaie, hein, soit c'est quelqu'un de FTX qui s'est barré avec la thune. C'est une possibilité qu'il ne faut pas... Je dis pas, c'est ça. Je dis juste que c'est une possibilité qu'il ne faut pas écarter. Voilà. Et alors, il y a quelqu'un d'un autre exchange qui s'appelle Kraken qui dit qu'il connaît l'identité, mais on ne sait pas qui c'est. Bon, bref. Donc, un festival, vraiment un shit show, quoi. Donc, la réponse, est-ce qu'il y a eu des crypto-exchanges piratés cette semaine? La réponse est oui. Voilà. J'avais prévu d'autres petites rubriques. Ce que je vous propose, c'est de passer au même, puis à la matinale, puis à la méditation. Et puis pour ceux qui restent, enfin parce que du coup normalement j'essaie de m'arrêter à 30. Donc on va passer à la méditation et au même. Et pour ceux qui restent, on parlera un peu de credential roaming. Mais je pense que je vais essayer d'en faire peut-être une vidéo. Voilà. Parce que j'étais un peu à la recherche d'une vidéo technique et pas sur un sujet trop ambitieux. Pour faire maintenant. Je voulais vous parler de drama de la semaine. Je vais pas vous en parler. Voilà. Quelques mèmes. On avait parlé de Twitter la semaine dernière. Comme quoi le risque d'avoir un jeton de vérification qu'on pouvait acheter à 8$ allait être le bazar. Plot twist, c'est le bordel. Voilà. Donc quand vous êtes vérifié sur Twitter, ça veut dire que quelqu'un a vérifié votre carte d'identité et a vérifié que vous êtes bien en possession de votre carte d'identité. Vous avez donc, j'ai donc le plaisir de vous indiquer que Jésus-Christ est donc vérifié sur Twitter. Voilà. Donc sa carte d'identité est vérifiée, quoi. Voilà. Ce qui est étonnant. Nintendo of America, tu vois, voilà, bon, l'image se passe de commentaires. Ça a été ça pendant toute la semaine. Là, vous avez Nestlé qui tweet et on vous vole votre eau et on vous la revend. On vole votre eau pour vous la revendre, lol. Pepsi qui tweet franchement, le coca c'est mieux. BP qui tweet. Juste à cause du fait que on détruit la planète, ça veut pas dire qu'on peut pas qu'elle nous manque pas. En vrai, ça, c'est une reprise d'une autre parodie. George W. Bush, donc encore une fois, tous ces gens-là sont vérifiés, quoi. Ils ont le badge vérifié, c'est bien la bonne personne. George W. Bush qui tweet « ça manque de tuer des Irakiens, en vrai », et Tony Blair qui répond « en vrai, pareil ». Donc voilà, ça a été un peu la fête sur Twitter. Pareil, il y a quelqu'un qui a tweeté avec une entreprise pharmaceutique qui a dit « Bon, à partir de maintenant, l'insuline est gratos, lol. » Et c'est marrant parce que bah, sans insuline, les diabétiques ne peuvent pas, genre, vivre. Donc ça, évidemment, ça fait un peu de bruit, quoi, comme tweet. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup, bah, en fait, la valeur en bourse de cette entreprise a chuté, juste à cause du tweet. Lockheed Martin, qui fait des armes, c'est l'équivalent d'Assaut aux US. Enfin, quand je dis équivalent d'Assaut, c'est un mastodonte, hein, Lockheed Martin. Qui dit « Bon, on va arrêter de vendre des armes à l'Arabie Saoudite, à Israël et aux États-Unis tant qu'on n'est pas sûr de tant qu'on n'a pas investigué leurs abus des droits de l'homme. » Donc voilà, tout ça est très marrant parce que c'est un peu... Il y a un petit fond de vérité, quoi, donc c'est assez marrant. Vous avez aussi Tesla, vous avez aussi des arnaques. Vous avez ici un compte Twitter, mais avec un accent, mais vérifié, donc toujours. Donc en fait, quand tu vois Twitter vérifié, tu te dis, bah, c'est le vrai compte. Qui dit, ah, ça y est, Twitter Blue est maintenant gratos.
les utilisateurs de crypto et de NFT vont avoir Twitter Blue juste en authentifiant leur wallet, c'est-à-dire leur portefeuille de crypto-monnaie sur cette URL. PS, il y aura une petite surprise, peut-être des NFT d'oiseaux. Donc, clairement, c'est une arnaque à 2000%. Mais on sait que Twitter a tendu la perche. Même avant Elon Musk, ils avaient joué sur le fait de récompenser les utilisateurs de NFT, etc. Avec, vous savez, la photo de profil hexagonale. Donc ça, ça a été le fleurillage des arnaques. Pareil, Tesla, cette page-là que je vous montre de Tesla, elle a envoyé des messages privés en plus aux gens, en leur disant, j'ai perdu ma slide. À cause de l'achat de Twitter, Elon va parler de l'industrie des crypto-monnaies à tout le monde et fait un grand partage de crypto-monnaies. Allez sur giveawaytesla.com. Évidemment, c'est une arnaque. Ça a été le festival, quoi. Bienvenue dans les tréfonds de la décentralisation. Je sais pas si tu parles de... Non, tu parles de FTX. Ouais. Ça a été vraiment un shit show aussi sur Twitter. Ça a été un peu la fête cette semaine. Pas de grosse actualité cette semaine, mais juste le bordel complet. Voilà, quelques mèmes. Ça, j'ai trouvé ça rigolo parce que c'est rigolo parce que c'est vrai et c'est un peu triste aussi. C'est le mème des Superman avec ce que je fais quand j'ai des jours off, ce que je fais au travail et ce que je fais après le travail. Et bah, quand tu fais de la cyber, bah, c'est un peu toujours de la cyber. Voilà. Les mèmes de la semaine. Il y a quelqu'un qui raconte un truc sur un Discord qui dit oh là là, je fais le tech support je fais la hotline informatique pour l'état de Géorgie. Quand je dois réinitialiser leur mot de passe à distance, je change et je mets pêche 1. C'est nul comme mot de passe. Et il se plaint en disant mais c'est terrible, personne en Géorgie n'arrive à épeler le mot pêche. Et quand le diable est venu en Géorgie, il n'aurait pas dû challenger Johnny, donc je n'ai pas la rêve, c'est un truc du coin. Il n'aurait pas dû challenger, il n'aurait pas dû lancer un défi de devinette, il aurait dû le challenger à un concours de d'épellation de mots. Et donc ce gars se plaint que personne ne sait écrire pêche parce que c'est le mot de passe qu'il met. Et donc s'il vous plaît, quand vous réinitialisez des mots de passe, mettez pas des mots de passe aussi pourris que ça. Et surtout, ce qui me choque le plus, c'est même pas le mot de passe, je m'en fous qu'il soit pourri. Mais ne partagez pas cette information sur un Discord public. Évitez, voilà, ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas très bien. On ne partage pas des mots de passe, quoi qu'il arrive, on ne les partage pas en public, quoi qu'il arrive, quelle que soit la personne dont c'est le mot de passe, quel que soit de quoi c'est le mot de passe, on ne partage pas des mots de passe. Les mots de passe, c'est toujours anonymisé, et c'est un peu ma take sur le drama de la semaine. Si vous êtes sur Twitter, vous avez dû suivre ce qui s'est passé avec Matisse, et il y a eu deux dramas en un, et je pense que on ne partage pas des mots de passe. Point. C'est juste une affaire de professionnalisme. Voilà, ce que je vous propose, c'est de faire une petite méditation, et puis on restera pour ceux qui veulent parler un peu plus technique, mais je pense qu'il est 9h40, et qu'il est largement pour moi temps de rendre l'antenne. Allez, on va se faire une petite méditation. C'est parti pour la méditation.
Vous allez fermer les yeux, dans la mesure où vous n'êtes pas encore au travail. Vous allez essayer de descendre tous vos muscles, surtout les muscles du visage. Gardez-en quelques-uns contractés quand même si vous êtes dans le métro, hein. Le freinage peut être brutal. Et vous allez vous concentrer sur votre énergie intérieure. Vous allez essayer de ressentir cette énergie. Et vous allez s'intéresser à la couleur de cette énergie. Ah, peut-être que cette énergie, elle dessine des motifs. Peut-être dans les bleus, dans les roses, dans les rouges. Par petites touches. Ces petites touches, c'est votre conscience qui s'anime. Peut-être que si on regarde l'image de cette touche, de ces petites touches, vous pouvez essayer de penser à chacun des pixels. Voilà, vous contemplez sans juger tous ces pixels. Ils ont chacun une certaine valeur de rouge, de bleu, de vert. Maintenant, vous savez que cette valeur, elle est encodée sur un octet. Donc, il y en a entre 1 et 255. Et donc, voilà, vous voyez cette image de votre énergie. Vous voyez cette image de comment vous vous sentez. C'est une information que vous prenez, vous ne l'analysez pas. Puis vous voyez avec tellement de précision que vous voyez aussi l'encodage de tous ces pixels avec des valeurs de rouge, de bleu et de vert. Voilà, c'est une méditation un peu rapide. On va s'arrêter là parce que je suis un peu à la bourre. Il est 9h44. Et donc je vous souhaite une excellente journée pour tous ceux qui vont s'arrêter là. S'il y a des gens qui restent, on va parler de credential roaming. Si vous devez aller au travail, eh bien je vous souhaite une excellente semaine et une excellente journée. Et j'espère que votre journée va être très belle et pleine de belles surprises. Voilà. Je vais remettre un peu de... Voilà, pour ceux qui restent, on va parler de credential roaming, juste parce que c'était un truc que je voulais voir avec vous, parce que c'est une actu un peu plus technique. Après, on a parlé de pas mal de trucs un peu techniques. Qu'est-ce qu'on va faire? Copyright safe, let's go. Ok. Let's go. Vous m'entendez toujours? Je remets l'écran. Pour ceux qui sont toujours là, on va parler rapidement de credential roaming, parce que c'était un sujet qui m'intéresse. Bon. J'ai pas besoin d'une autre excuse. Qu'est-ce que c'est? Donc, on va consulter cet article de Mendiant. Mendiant, qui est une entreprise de threat intelligence, c'est-à-dire d'informations, de renseignements sur les groupes de hackers. Et donc, Mendiant nous dit qu'en 2022, ils ont détecté... Et ils ont répondu à un incident de sécurité qui utilisait une technique nouvelle qui exploite un mécanisme de Microsoft. Et ce mécanisme, c'est ce qu'on appelle le credential roaming. Alors, APT29, c'est un groupe d'attaquants très sophistiqué qui cible... Les,
les ambassades. Et APT-29 est soutenu par le SVR, qui est en gros les services secrets russes de l'armée. Voilà. APT-29 a été très actif sur le réseau de la victime, et Mendiant a trouvé des requêtes LDAP. Donc qu'est-ce que c'est LDAP? Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, LDAP c'est le protocole qui sert à récupérer des informations dans l'annuaire. Et l'annuaire, c'est le truc central dans le réseau qui contient les identités et les privilèges de tout le monde. Et ça peut servir, comme c'est le cas avec un Active Directory, ça peut servir à dire qui a le droit de faire quoi. Et à authentifier les gens. Voilà. L'Active Directory, c'est l'outil de Microsoft. L'outil d'annuaire de Microsoft. Et cet outil utilise le protocole LDAP. Et voici un log lié à LDAP. C'est un événement 4662. Ça, c'est très utile s'il y a des gens dans le chat qui font de la réponse à un incident. On est toujours friand de l'ID d'événement. 4662. Une opération LDAP a été faite sur un objet. Cette opération... il y a des identifiants qui ont été cachés par Mendiant. Ce qui est intéressant, c'est que le type d'objet, c'est un identifiant un peu imbitable si on n'est pas bilingue Active Directory. L'opération, c'est accès à l'objet. Et les propriétés qui ont été accédées sont les suivantes. Voilà. C'est 5 identifiants de propriété qui sont imbitables quand vous n'êtes pas bilingue Active Directory. Donc ce qu'a fait Mendiant, c'est qu'ils ont analysé un peu ça. Et ils se sont rendu compte que c'était beaucoup de choses classiques, genre est-ce que c'est le Unix password. Donc typiquement, lorsque vous avez des serveurs Linux qui sont liés à un Active Directory, Active Directory c'est plutôt du Windows, eh bien vous avez certaines propriétés qui sont utilisées comme celle-là. Donc c'est très classique, lorsque vous êtes sur un réseau, de faire des requêtes LDAP pour avoir ces genres d'informations, parce que potentiellement elles vont vous donner des mots de passe, ou en tout cas des traces de mots de passe, des empreintes de mots de passe. Et là il y en avait un nouveau. Celui-là, il est nouveau et il s'appelle MSPKI, Credential Roaming Token. Donc qu'est-ce que c'est ? MSPKI, PKI c'est ce qu'on appelle une infrastructure à clé publique, donc c'est une structure pour s'authentifier, pour gérer des clés de cryptographie qui vont servir à s'authentifier. Si vous avez vu ma vidéo sur la cryptographie, vous savez que pour vous authentifier, vous devez prouver que vous avez une clé privée. Et pour ça c'est simple, tout le monde a votre clé publique et vous pouvez. Il y a un lien entre les deux que vous pouvez prouver. Et Microsoft décrit cette propriété-là comme c'est le stockage. De tokens chiffrés pour le roaming. Et c'est une feature qui est mal connue d'Active Directory, qui s'appelle le Credential Roaming. Le Credential Roaming s'est introduit sur Windows Server 2003, voilà, bon, bref, c'est toujours supporté dans Windows 2022 et Windows 11. L'idée, qu'est-ce que c'est? On va utiliser le schéma. Heureusement, j'ai lu l'article avant, donc je vous fais un petit résumé. L'idée, c'est que vous êtes là. Vous êtes connecté en tant qu'utilisateur A. Vous avez généré un certificat. Par exemple, un certificat pour vos mails. Si vous utilisez, vous savez que les mails ne sont pas chiffrés, donc en fait, n'importe qui a accès au serveur mail peut lire le contenu de vos mails. Donc, peut-être que vous avez utilisé les certificats de Microsoft pour signer vos mails en interne dans le domaine Microsoft, dans le réseau de votre entreprise. Comme c'est le cas si peut-être vous bossez sur des sujets sensibles ou avec des données très, très personnelles. Eh bien, si vous connectez sur un nouvel ordinateur, eh bien, potentiellement, vous avez des merdes de certificats. J'ai peut-être des anciens collègues qui sont dans le chat. Si c'est le cas, ils se souviennent très très bien, je pense, de la galère que c'est de gérer ces certificats lorsqu'on change d'ordinateur. Parce que, évidemment, vos mails sont chiffrés avec une clé secrète. Et donc, si vous vous connectez sur un autre ordinateur, eh ben, vous ne pouvez pas lire vos mails.
parce qu'ils sont chiffrés, avec une clé secrète que vous n'avez pas. Donc, le credential roaming, c'est ce qui permet de répliquer, d'utiliser l'Active Directory pour faire en sorte que lorsque vous connectez sur un nouvel ordinateur, eh bien généralement vous pouvez avoir accès à vos données, à vos fichiers, à vos préférences. Et bien là, le credential roaming, ça permet d'avoir accès à ce certificat. Et c'est tout ce que je voulais dire, c'est vraiment l'idée du truc. C'est que vous interrogez donc l'annuaire, l'Active Directory en l'occurrence, et il vous donne des informations qui vous permettent d'avoir accès à votre certificat. Voilà. Tous les certificats peuvent être utilisés dans le cadre du credential roaming. Windows Vista, à un moment, mettait des mots de passe et des noms d'utilisateurs dans les données qui sont stockées dans le credential roaming pour que vous puissiez avoir accès à tout ça dès que vous connectez sur un nouvel ordinateur. C'est pas une super chose, donc ils ont arrêté. Très bien. Et voilà, on sait que c'est une méthode qui était connue d'attaquants. Voilà, on a un article qui en parle. On pouvait utiliser Mimikatz, un outil pour sortir les identifiants de tous les types d'identifiants de la mémoire de Windows. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que ces identifiants ne sont pas juste sur votre ordinateur, ils sont aussi dans l'annuaire et ils sont stockés. En gros, dans les propriétés suivantes. MSPKI Credential Roaming, MSPKI Roaming Timestamp, MSPKI Master Keys, MSPKI Account Credentials. Qu'est-ce que les attaquants ont pu faire avec ces informations? Eh bien, le dernier, MSPKI Account Credentials, c'est là où les jetons sont stockés. Le MSPKI Roaming Timestamp, c'est là où c'est juste l'heure de modification de là où les jetons sont stockés. Et le Master Keys contient les clés DPAPI, c'est-à-dire ces clés qui servent à protéger tout ce qui est utile pour gérer des secrets en mémoire sur Windows. Credential roaming, ça utilise une tâche planifiée, voilà, qui est dans une clé de registre. Voilà, on va essayer pas trop deep dive le fonctionnement du credential roaming. Je vous passe la partie où il reverse la DLL, parce que je pense que j'adorerais avoir le temps, mais il est déjà à 9h55, donc on va passer directement à ce qui nous intéresse. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous modifiez une des propriétés qui est le timestamp, il me semble. Donc si un attaquant peut contrôler la propriété MSPKI Account Credentials, donc c'est là où les jetons sont stockés, il peut ajouter un jeton malveillant avec une ou l'identifiant à des caractères spéciaux. Ces caractères spéciaux, c'est les deux points backslash. Et ça, sur Windows, c'est un retour en arrière dans le système de fichiers. Donc si en fait, vous créez un jeton que vous appelez avec un nom qui comporte cette chaîne de caractères, eh bien, potentiellement, ça permet de le stocker à un autre endroit. Typiquement, dans l'exemple, là, vous voyez, le jeton, il s'appelle deux points backslash, deux points backslash, deux points backslash, Windows, Start Menu, Programs, Startup, Malicious.bat. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que votre jeton malveillant, lorsque vous allez l'envoyer à l'Active Directory va le stocker, et lorsque vous allez vous connecter sur un nouvel ordinateur, eh bien automatiquement, le système de roaming va faire en sorte que vous vous connectiez avec vos identifiants, et donc va chercher vos jetons, et donc va récupérer ce jeton et l'enregistrer là où il doit être. Sauf que, comme c'est vulnérable au file traversal, au pass traversal, eh bien, il va l'enregistrer non pas là où il doit être enregistré, mais là où vous l'avez spécifié.
Donc ça va enregistrer dans ce dossier qui est Windows Start Menu Programme Startup. Et Startup, qu'est-ce que c'est comme dossier? C'est le dossier de tous les scripts et programmes qui se lancent au démarrage. Voilà. Donc là, en fait, lorsque vous connectez sur un nouvel ordinateur, eh bien, vous allez automatiquement exécuter ça au démarrage. Voilà. Et là, on voit que c'est un script qui fait quoi? Il lance la calculatrice.exe. Donc, comment on peut exploiter ça? Il y a plusieurs scénarios. Donc là, c'est un PowerShell de qui nous montre comment faire. Plusieurs scénarios. Soit le patch n'a pas été fait. Parce que du coup, Mandiant l'a rapporté à Windows, ils ont corrigé. L'attaquant peut utiliser cette vulnérabilité, une vieille vulnérabilité, pour faire exécuter des programmes à tous les utilisateurs qu'il contrôle. Et ça peut être très utile pour du mouvement latéral, parce que du coup, ça veut dire que dès que l'utilisateur se connecte sur un nouvel ordinateur, eh bien, automatiquement, vous exécutez un programme sur cet ordinateur. Je veux dire, vous, en tant qu'attaquant, vous êtes volé un mot de passe, vous n'avez pas forcément la vision de où est-ce que votre cible s'est connectée. Et bien là, automatiquement, ça peut être... dès que votre cible se connecte quelque part, elle va exécuter un truc. Ou en tout cas, écrire un fichier. La grande question que je me pose là, si c'est utilisable sur un serveur Exchange. Un serveur Exchange, c'est le serveur de mail de Microsoft. Et en fait, tout le monde se connecte. Quand vous allez chercher vos mails, vous connectez de facto. Et je ne sais pas si l'ouverture de session sur Exchange est équivalente, va déclencher ce mécanisme de credential roaming. Si c'est le cas, ça permet d'exécuter un truc sur le serveur Exchange et donc potentiellement de voler tous les mails. Donc ça, c'est super bien. Là, seulement, ça requiert les droits suffisants pour écrire les propriétés de la victime dans l'Active Directory. Après, un autre scénario, c'est qu'un attaquant peut être big administrateur. Et à ce moment-là, il peut utiliser ça pour récupérer toutes les clés d'EPAPI pour voler tous les mots de passe. S'il est big administrateur du domaine, c'est-à-dire du réseau, à peu de choses près, il peut décoder les clés d'EPAPI de tous les utilisateurs et à ce moment-là voler plein de trucs. Et à ce moment-là, il a accès à tous les certificats des utilisateurs. Enfin, si un attaquant a accès au mot de passe, eh bien, le mot de passe, comme souvent sur Windows, est utilisé comme secret. Et du coup, il peut s'authentifier comme victime, il récupère les attributs du credential roaming, il peut les décoder. Et à ce moment-là, il peut les décoder la DPAPI Master Key, donc qui lui permet de décoder tous les secrets qui sont en mémoire de Windows. Enfin, si un attaquant a uniquement accès pour une raison obscure à cette propriété, eh bien, il peut extraire la master key, la clé master key DPAPI, et essayer de la casser. Et extraire le mot de passe de la victime. Voilà. Les recommandations, c'est simple, il faut patcher. Voilà. Simple. Voilà. C'est une nouvelle méthode que je connaissais pas, et visiblement elle était un peu passée sous le radar, donc je trouve ça super intéressant. Voilà, j'avais envie de le lire. J'espère que ça vous intéressait. Je sais pas si j'ai perdu tout le monde, je pense qu'on a plus grand monde peut-être. Il y a du monde. Voilà. Mais moi je trouvais cette méthode très intéressante. Voilà, donc j'avais envie quand même d'en parler un minimum sur cette matinale. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions sur cette technique-là. Globalement, on vient de lire l'article, je suis allé un peu vite. Je l'ai traduit en live, donc je suis allé un peu vite. N'hésitez pas à me faire des retours
que ce soit ici dans le chat ou sur le Discord ou dans les commentaires sur YouTube, si vous préférez que je lise des choses en anglais, si vous préférez que je lise en français, si vous avez des sujets, des types de rubriques que vous aimeriez que j'aborde. Il y a des sujets sur lesquels moi je me connais plus ou moins bien. Typiquement, je découvre, donc ça me passionne un peu tout ce qui est CTI, c'est-à-dire renseignement sur les hackers. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est un minimum stratégie, tout ce qui est l'aspect un peu plus gouvernance politique de la cyber. Mais n'hésitez pas à me dire, moi j'aimerais bien que tu parles plus de sujets, genre, je sais pas, des outils, des arnaques. On peut faire plein de choses, donc n'hésitez pas. Puis n'hésitez pas à venir sur le Discord et à partager les articles dont vous aimeriez qu'on parle dans la matinale. D'ailleurs, je remercie vraiment, c'était Buzzy qui m'a recommandé de parler de deux sujets. Donc je le remercie vraiment d'avoir participé. Voilà. Si vous n'avez pas de commentaires, n'hésitez pas, dans tous les cas, à mettre des petits commentaires sous la vidéo. Et puis je vous souhaite une excellente journée et une excellente semaine. Merci à tous d'être venus sur cette matinale. Je vais couper la vidéo. Je pense que je vais couper d'abord YouTube et puis je pense que sur Twitch, je vais pas faire de raid parce que souvent il y a personne qui fait un sujet de vulgarisation ou de. Souvent ça c'est pas. À cette heure-là, il y a personne sur Twitch. Voilà. Donc merci à vous tous d'être passés. Je vous dis à la semaine prochaine et j'espère que vous aurez une très belle semaine. Voilà, merci à tous. Merci Lucille, merci Nils. Et je vous confirme pas de raid pour Twitch.